Je vais vous parler d'une histoire de dingue que j'ai lue sur la plateforme Reddit. C'est l'histoire d'une maman qui a 39 ans, qui est célibataire et qui a décidé de révéler son coup de foudre pour un individu de type caucasien. Le problème, c'est que cet individu, c'est le meilleur ami de son fils. Oula. Il n'a que 23 ans. Et la mère, elle veut pas du sérieux, elle veut une simple aventure romantique. Voilà, elle veut pas se prendre la tête, elle a juste envie de... J'aime bien, elle veut pas du sérieux, elle veut une aventure romantique. Bah c'est vrai, elle veut un truc sans blabla, sans prise de tête. C'est pas romantique alors. Quoi ? Bah si, une petite aventure, une aventurette quoi. Elle veut pas se marier avec une lui. Une galérette, comme on dit. Voilà. Quand je vois le genre. Toi, c'est sérieux ou pas avec ton mec là pour l'instant, Diane ? Franchement, ce matin... Ouais. Ça fait depuis 6h qu'on est. Non, c'est même 5h55 toi et moi qu'on est arrivé, Fabien plus longtemps. Oui. Vous ne me lâchez pas. Mais c'est pas notre faute, tu t'es fait déposer, c'est rare que tu te fasses déposer par quelqu'un. Ça va pas, c'est un taxi. Bah, non, un taxi à 90, bien bâti comme ça. Il embrasse bien son taxi. Hein. Je savais pas que tous les G7 ils galochaient après la course. Alors, faites attention quand vous y allez. Il y a des gens qui vous écoutent et qui peuvent croire vos bêtises. D'ailleurs, il y a mes parents qui peuvent y croire. Faites attention dans les G7, il y a une petite bouteille d'eau et une galoche à la fin. Non, regardez. C'est l'option Uber galoche. Non. Pour 4 euros de plus. Mais arrêtez, on la croit, Diane, elle est pas en couple. Elle est chauffeur, c'était. C'était qui? Alors, juste maintenant, je vais faire Mercedes classé. Ouais. En tout cas, il était beau gosse. Il était beau gosse. Ouais, bon. Ouais, beau gosse. Les amis, donc cette maman-là, cette MILF, elle a des sentiments. Bah, c'est vrai ce qu'on appelle une MILF. Bien c'est une maman très sexy. Elle a des sentiments pour ce jeune garçon depuis qu'il a 19 ans et là, il en a 23. Donc, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Est-ce que vous iriez ou pas sur le copain d'un de vos fils? C'est compliqué d'un office. Non, mais moi, en revanche, je me sens un peu concerné parce qu'il y a une période, j'étais très très attiré par la sœur d'un ami. Ah ouais? Et voilà, mais on le sait, on ne sort pas avec la sœur d'un ami, donc j'ai juste couché avec elle. Je suis pas resté longtemps. C'était qui cet ami? Je dirais pas son prénom. Il s'appelait Étienne, voilà. Diane, est-ce que t'as déjà été attiré par une personne ou fallait pas y aller? Ah oui. Bah oui. L'interdit, c'est la façon, de toute manière, l'interdit crée un peu d'excitation, hein, ouais. C'est connu. Oui, il y a déjà eu le meilleur ami de quelqu'un que je voyais. Ouais. Tu vois, donc. Mais par contre, j'ai jamais passé le cap, moi. Le cap de quoi? Bah de dire j'y vais. T'as eu envie, mais t'es pas allé. Il y a eu une attirance, mais j'y suis pas allé. Ou même des profs, tu vois. Des profs? C'est pas mal. Ouais, t'étais attiré par tes profs? Ouais, des profs pas mal. Ouais. Lequel? C'était en études supérieures. Ah ouais? Ouais. Prof de quoi? D'économie. Pas mal. Quel âge? Oh, il devait avoir un peu plus de 45. Vous savez que moi j'aime bien les vieux, donc c'est pas. Et t'avais quel âge, toi? Les vieux, pas vieux. Mais oui, mais par rapport à moi. T'aimes bien les hommes expérimentés. T'avais quoi? Moi j'avais 22 ans. 22 ans, il avait 49. Ouais, non, mais il devait avoir entre 45 et 50. Ah ouais. Il est trop jeune pour elle. Est-ce que c'est déjà arrivé, toi? Ouais, trop jeune. Moi j'étais attiré par une vedette de la Star Academy. Ouais. Et entre stars, c'est compliqué de sortir ensemble. C'est qui, Georges Alain? Georges Alain? Non, c'est Patchy. C'est qui? Patchy. Patchy, ah oui! Ah, celui qui a écrit les tubes de Louane. Exactement. Mais c'est marrant quand même. Enfin, c'est rigolo de dire, ouais, moi la star par qui j'étais attiré, c'était Roméo de l'île de la Tentation. Putain, Patchy de la Star Academy 22. T'es allé chercher loin. Ah ouais. Patchy, je suis fan et je le trouve très très beau. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.